Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent et qui font état de marche des ex-combattants frustrés et tout ce qu'il y a. Donc, c'est une occasion pour nous de savoir réellement qu'est-ce qui se passe. Dieu merci, ils nous ont fait savoir qu'ils voulaient faire une déclaration parce qu'il y a d'autres déclarations qui ont été faites et des contre-déclarations. Donc, ils veulent faire une mise au point. Tout ce qui a été dit ou exposé comme doléance, nous avons consigné dans un document et tout cela sera remis à qui de droit. J'appelle toute la population à aller voter. Que les gens n'aient pas peur. Aujourd'hui, tous ceux-là aussi sont prêts à aller voter comme eux. Il n'y aura rien. Toutes les dispositions ont été prises. Nous sommes dans un cadre de concertation. Nous nous inscrivons dans cette ligne. Tous les ex-combattants de Boaké, de rester sereins, de laisser les gens partir directement aux urnes, que personne ne trouble l'ordre. Nous, on prend notre engagement devant les autorités, qu'on fait confiance.